descendre de la montagne en camping-car. Descendre de la montagne en camping-car. Salut les amis. Bon voilà, on est arrivé donc en France, hein, comme disait Cécile. Là on est où? Dans les Calanques. Je ne me rappelle plus laquelle. Pas loin de Saint-Raphaël. Ouais, du côté de Saint-Raphaël. À 10 minutes de Saint-Raphaël. Voilà, dans un cadre, hein, si vous voyez, à la mer. Juste derrière. Il nous reste des lieux comme ça qu'on recherche. On aime ça, voilà. Non, on n'est pas très visite de monuments. On recherche plus ces petits endroits sympathiques, proches de la mer. Voilà. Enfin, pas forcément de la mer, ça peut être dans la nature. Ça peut être dans la nature, ouais. Mais voilà, c'est vraiment ce qu'on cherche. An ocean, a cave, a dream that no one could save. A shelter, a whole act, a light that died with the night. You and I, we got our differences. Yet I thought we were more alike than unlike. Sur les terres.
Donc toujours dans le 06. Voilà. It's you already to be hurt again, like nothing ever cares. This is the best it ever gets. I see it in your eyes that we will get hurt again. That we will get hurt again. Partir. Nico avait remarqué qu'il restait quelques côtés blancs sur le camping-car qui était... Non, ça devait être... Il n'était pas encore certainement encore assez chargé. Donc il en a rajouté. Donc il a rajouté notre logo. Et il a rajouté... ceci. Alors... En Italie, parfois, on avait quand même des gens qui regardaient notre camping-car très surpris. Et parce que, oui, aujourd'hui, tous les camping-cars sont assez uniformes. Hein. Donc, c'est vrai que le nôtre, il passe pas inaperçu, hein, comme maman dit. Hein. Voilà. Et donc, ils étaient certains au point de venir voir la plaque d'immatriculation pour savoir de quel pays on était.
jamais, je vous jure, plus jamais comme hier. Voilà, bon. Là, tu vas manger. Ah, c'est le premier magasin français. Ouais, ça sent bizarre. C'est bon, ça. Je ne sais pas si je prends la température en rentrant. En fait. Ah, je sais pas. Parce qu'il y a 48 heures, je prenais encore la fièvre avant de rentrer. Parce que des fois, il y a des endroits en fait où il y a une personne qui est du coup dédiée à venir nous prendre la fièvre et on attend. Comme à l'extérieur du magasin. Ça tient quand même la prise de température. Ouais. Non, je ne sais pas. Et donc, ils attendent à l'extérieur du magasin. Tu peux baisser pour la chambre. Non. Et nous pouvons attendre à l'extérieur du magasin jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui vienne nous prendre la fièvre. Et voilà. Et si on a de la fièvre, donc on n'a pas le droit de rentrer. Eh ben non. Donc, après, on ne sait pas ce qui se passe quand on a de la fièvre. S'ils appellent. Non. Non, je sais pas. Ça dépend lesquels. Ouais. Mais là, comme il y a 48 heures, ça dépendait des. Je sais pas. Enfin, là, non, je pense que concrètement, ils t'interdisent l'entrée et point, quoi. Et donc là, on va tester en France. Ouais. Surtout que depuis qu'on est rentré en France, hier, c'était notre. Donc, deuxième nuit, ouais, mais notre première journée, parce qu'après, on était repassé en Italie. Oui, repassé en Italie, ouais. Et on a eu un petit peu de surprise entre les CRS, le contrôle d'immigration, voilà, où ils ont visité le camping-car, n'est-ce pas? Et puis on était garé aussi sur un spot dans les Calanques. Ah. Et puis dans la nuit, il y a deux voitures militaires qui sont garées à côté, ils sont restés peut-être une heure, ouais. Et donc voilà, ils sont partis, on ne sait pas trop, donc ça fait assez bizarre en rentrant après une coupure de 3 semaines en Italie, de voir ça. Bon, bref. Du coup, je me suis demandé s'il n'y avait pas eu un attentat ou quelque chose dans le coin. J'ai regardé, non. Bon, donc ils étaient peut-être simplement en exercice. Sûrement, je sais pas. Voilà, moins que vous avez des infos à nous donner. Je sais pas. Allez, on va aller voir sur le carrefour. On va chercher à manger. Là, il y a de l'orage. Ah. Bon, on est à côté d'Aix-en-Provence. Oui. Ah. Tu veux que je te dise précisément quand même ? Oh, ben, si ça peut. Voilà. On est dans une ferme qui accueille les camping-cars où ils ont des oliviers, ils ont des amandiers. Mais à Lançon. Des vignes. Ah, quoi ? Lançon. Lançon, voilà. Non, c'est pas Alençon, c'est Lens. Lens, oui, pas. Drôle, hein. Moi, pas. Voilà. Donc là, il y a les amandiers, les oliviers plus loin. Les vignes derrière. Et les vignes, ouais, qui sont derrière. Gigi. Gigi. Voilà. Et les vignes, là-bas. Voilà. Ils font partie. Et en fait, ils font partie de France Passion. Ils font partie de France Passion, ouais. Alors, on a trouvé ça sur Parc Atlantique. C'est sympa, le cadre est agréable. Alors, ils font chambre d'hôte aussi. Mais un gîte, toi. Voilà, on n'avait pas encore essayé. C'est sympa. C'est ferme. Très accueillant. Super sympa, ouais. Ils ont des produits. Une petite bouteille de vin médaillé. Ouais, pas mal. On va essayer ça. Une médaille d'argent. On vous dira. On leur dira. Attends, on va la faire. Ah. Allez, on va voir. Donc en fait, c'est la médaille d'argent qui m'a fait réagir. Voilà. Parce qu'en général, c'est des produits qui sont très bons. Ouais, ils font des savons. Donc j'ai pris un savon liquide en plus. L'emplacement est gratuit. Ouais, l'emplacement est gratuit. Et bon, après, franchement, super bien fait. À l'ombre. C'est la boutique quand même. Voilà. C'est mieux. C'est plus correct. Oui. Hein? Bon, après, moi, je cherchais plus en fait
C'est le cadre hein, qui me plaisait. Oui, non. D'olivier, même si j'en avais vu déjà beaucoup en Italie. Ça te manquait au retour. Ouais, il fallait continuer avec les oliviers. Voilà. Et non, ils ont bien aménagé ça, parce que franchement, tu as vu, je regarde le terrassement, ça a été fait de façon à ce que les camping-cars soient bien droits. Donc, et puis on est vraiment entre les oliviers et les amandiers. C'est vraiment super sympa. La vue est dégagée. Et il y a une belle vue. Sur les montagnes derrière, avant. Non, c'est vraiment sympa. Un bon petit endroit, ceux qui passent en coin, n'hésitez pas. C'est super calme. Il n'y a pas de problème de circulation, on n'est pas dérangé par les voitures. Et puis là, on est donc fin août, hein. Et donc on n'est que deux camping-cars. Voilà. Donc on ne va pas être trop dérangé, c'est tout. Bon, allez. Et demain, on continue, on remonte. On va passer certainement sur Aurillac, je crois. Voilà. Allez, à la suite de l'aventure. Tranquillement chez nous. Bon, il est du côté en dessous de Millau. Ouais, entre Alès et Millau, je crois trop. On attaque les montagnes, les Cévennes. Voilà. Un avantage quand même qu'il y a en Italie, c'est qu'on trouve quand même facilement des aires de vidange. Et dans l'ensemble, elles sont gratuites. Chose qu'en France, c'est plus compliqué quand même. Voilà. Disons qu'en et là dans les Cévennes, elles sont gratuites aussi, mais elles sont pas très bien signalées, on a du mal à les trouver. Alors on trouve les panneaux au début des villages, et puis après arriver dans le village, on sait pas où on va. Voilà. Voilà. Et puis c'est vrai qu'en Italie, on arrive facilement à trouver des fontaines pour faire le plein. Enfin voilà, il y a pas mal de solutions pour remplir ou pour vider, mais ici c'est vrai que c'est plus compliqué quand même. Bon, allez. C'était un petit point. Bon appétit. Est-ce que j'ai le droit à mon moment belge?
Donc en fait, on est en Cévennes, hein. Et en fait, pour l'eau, avant de l'eau, enfin, tous les points de vidange, il y en a beaucoup, en fait, c'est en point relais. Et ces points relais, ça fonctionne à jetons. Le jeton, il fallait le chercher au restaurant qui est fermé à côté. C'est ça. Et donc voilà, tu repars sans eau parce que mais il est 16h, donc faut attendre en fait la pause du restaurant. C'est complètement nul. En plus il pleut, donc tu fais la balade à pied avec ton carré. Voilà. Aller chercher un jeton. En Italie, ça, non. Il y a partout des points d'eau. Alors, par contre, en France, on a l'avantage. Oui, et l'eau est gratuite. Et par contre, c'est vraiment que point d'eau. On ne peut pas y dormir. Majoritairement. Mais c'est pas des airs de. C'est pas des airs pour dormir. Voilà. Un petit moment. Donc la dernière fois qu'on avait sorti nos kawaii, bah, c'était quand on était en Ligurie. Oui, au moment de l'orage. Voilà. Et c'était donc pour les 5 terres. Et en fait, les 5 terres, on n'a pas filmé. Pourquoi en fait, je disais que je faisais mon moment belge. Hein, donc voilà. C'est un coin, en fait, où ils ont rendu totalement inaccessible aux véhicules ces 5 villages. Voilà. Et en clair, en fait, ça ressemble un peu soit chez nous, soit le Rocamadour, soit le Mont-Saint-Michel. Avec plus de couleurs. Donc énormément de marches et de à monter. Voilà. Il y a 360 marches d'un côté. Et voilà quoi. Et en fait, c'est quelque chose qui se regarde vraiment en fait, de loin. Parce que oui, de loin, c'est beau. Parce qu'il y a, il y a des couleurs, vraiment beaucoup de couleurs aux habitations. Mais point quoi. Enfin, il y a. C'est vraiment un endroit précis qu'il faut être pour avoir le panorama et pas un autre quoi. Donc, dans l'ensemble. C'est vraiment le coin très touristique, voilà, pour du touriste. Et du touriste qui a envie de dépenser. Voilà. C'était mon point de vue. Et si par contre, ils ont quand même laissé un accès pour des personnes à mobilité réduite. Donc comme quoi, il y a possibilité d'y monter autrement. Des 5 terres qu'on n'a pas filmé. Après, je pense que tous les coins pittoresques comme ça, les gens, les films, dont la photo cliché à tenir la tour de Pise, moi, c'est pas mon truc. Après, c'est très bien les gens qui le font, hein, j'ai rien contre. Il en faut, tant mieux, ça fait marcher l'économie, parfait. Mais je rentre pas dans ce critère. On va trouver qui va les saouler. Ok. C'est mieux qui va les saouler. But I have to try, try as hard as I can. Cause you'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. And she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never. On va passer à Roquefort. On va juste aller, ça va être sympa. Choisir, je préfère manger du roquefort que du fromage italien. Enfin, ça dépend lequel en Italie. Hein. Parce que oui, le parmesan, etc., il a du goût. Mais enfin, après, il y a plein de fromages sans goût quand même en Italie.
de ranger. Voilà. Thank you.
très contente de nous retrouver. Bonjour. Bonjour. Mais hé, on voit rien là. Rien du tout. Fais voir comment t'es belle. Hein? Tu veux voir comment t'es belle? On t'a manqué, manqué, manqué. Manqué, 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 manqué. Oh mon chat. Bonjour maman. On a au moins manqué à quelqu'un, c'est au chat. C'est sûr. Je ne sais pas qui d'autre. Mais c'est au chat, c'est sûr. Bon, la prochaine fois, tu veux partir en vacances chez mamie? Tu veux chez mamie en vacances? Oh ouais, vous allez chez mamie en vacances la prochaine fois, parce qu'il n'a pas aimé les toutes seules. C'était trop long, trop long, trop long, trop long. Hein? Mamie te prendra en vacances? Ouais! C'est vrai? Tu vas chez mamie? On vous remercie pour tous vos commentaires bienveillants et sympathiques. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, mettre des petits pouces, ça fait plaisir et motivant. On a un compte Insta pour les infos en live. Pensez à partager nos vidéos. Salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo.